Brahim Diaz connaît une saison intéressante avec l'équipe Real de Madrid là, qui vient de Bruyne continue à entrer dans l'histoire football là. Résultat quelques matchs amicaux qui étaient joués hier mercredi 5 juin 2024 là. Testegen n'a parlé dans micro la presse. Bonjour tout le monde, c'est avec un peu de plaisir et un peu de content. Nous réveillons l'autre fois à rentrer la caillou pour capable porter pour émission Tribune Sport, émission qui là pour capable Kimbo informer de toute dernière actualité sportive, que ce soit sur le plan local ou encore à l'échelle internationale. Mario n'a pas sur l'écran ensemble avec moi là, c'est Mario que Real de Madrid prend gain pour jouer à domicile, il va aller jouer à domicile dans Santiago Bernabéu pendant saison 2024-2025 là. Mario ça Noël marqué Jude Bellingham avec numéro 5 là. Kylian Mbappé permet avec l'État français entrée de 2007 à 2024 261 millions d'euros, c'est vraiment intéressant. ESPN fait une liste de 10 meilleurs milieux de terrain qui gagnent un mode là pour le présent moment. On a commencé dans 10e qui c'est Kevin De Bruyne qui a évolué en équipe Manchester City. 9e Bruno Fernandes qui a évolué en équipe Manchester United. Pedri qui a évolué dans l'équipe FC Barcelone qui en 8e position. 7e position Aurélien Tchouaméni, joueur français qui a évolué en équipe Real Madrid là. Florian Wirtz, Bayer Leverkusen qui en 6e position. 5e Declan Rice qui a évolué en équipe Arsenal là. Toni Kroos en 4e position. Martin Odegaard occupé 3e place là. Les séjours Arsenal. Jude Bellingham qui occupe 2e place là. Les séjours Real Madrid. Et puis dans première position, nous avons Rodri, milieu de terrain espagnol là. Que nous connaissons qui a évolué en équipe Manchester City. Officiel, Antonio Conte est venu nouvel entraîneur équipe Naples. Naples capable de diriger par Antonio Conte pendant la saison 2024-2025. Rencontre entre Manchester City et Chelsea, match a été fini 4-4, un match nul. Les fini meilleur match en première ligue pour la saison 2023-2024. Marc-André Testegen nous connaît qui prend à Euro avec la sélection allemande. Daniel Neuer présent, sans nul doute, c'est prêt le deuxième gardien que Marc-André Testegen lui-même l'a pied. Eh bien, joueur l'a fait déclaration ça dans la presse. Être gardien remplaçant est très frustrant, ces déclarations Marc-André Ter Stegen fait dans micro la presse. Wesam équipe Manchester City a déjà joué un accord. Wesam a accepté 90 millions d'euros dans l'équipe Manchester City pour capable laisser partir pendant été ça Lucas Paqueta selon journal AS. Tottenham a demandé 25 millions d'euros pour capable livrer Pierre-Emile Forsberg pendant été ça. Victor Bruno pral gain pour capable entraîner l'équipe FC Porto. N'a pas appelé Victor, c'était assistant, et on me suit un coup Sergio, dans tête équipe FC Porto, Sergio qui a annoncé départ, et bien vendredi qu'après là, capable d'annoncer officiellement, griver Victor Bruno comme entraîneur en chef équipe FC Porto. Manchester United a accéléré pour capable de gagner service Lenny Yoro. Club anglais après pour capable offrir avec Lille une somme de 60 millions d'euros pour jouer un service joueur 18 l'année. Real Madrid avec Paris Saint-Germain. Club Sayo yo également intéressé selon journal Marca. Situation économique équipe FC Barcelone vraiment pas bay Barcelone possibilité pour capable vraiment attirer Xavi Simons Lacaille. Gagne équipe Bayern de Munich là qui est vraiment à mener course sérieusement là pour capable gagner joueur là pour saison cap venir là. Paris Saint-Germain nous tout connaît qui sont club cap évolue dans Ligue 1 li montrer intérêt pour capable gagner Julian Alvarez. Julian Alvarez n'a pas rappelé qui c'est joueur Manchester City. Paris a tout pris pour gagner joueur argentin puisque le joueur argentin manque tant de jeu en dans Manchester City et bien il voulait offrir ça selon Fabrizio Romano. Il a gagné pas mal de matchs amicaux qui était joué, t'a gagné équipe Belgique là qui gagne Monténégro 2-0, la France rivé gagne Luxembourg 3-0. Gagne Espagne qui gagne Andorre 5-0. Voilà ces résultats quelques matchs amicaux qui étaient joués hier. Kylian Mbappé était vraiment intéressant dans victoire sélection française là face Luxembourg 3-0. Kylian Mbappé était arrivé par short dans match ball ça face Luxembourg dans 43e minute de jeu, 70e minute de jeu et puis le débuteur dans 85e minute de jeu. Bradley Bakula arrivé jouer premier match li avec la France face à Luxembourg, il est entré dans 81e minute de jeu et puis dans 85e minute de jeu, il est après la passeur décisive. Olivier Giroud mettait record dans la sélection française là. Olivier Giroud vini joueur qui plus âgé qui disputait un match avec les Bleus,
37 l'année, 249 jours. N'Golo Kanté était titulaire dans le match face à Luxembourg pour la France. C'est la première titularisation depuis 3 juin 2022. C'est quand même 2 ans après. The Athletic fait qu'on est, direction équipe Liverpool n'a pas envisagé pour vendre Darou Núñez pendant l'été. Kevin De Bruyne qui disputait hier 7e match avec Belgique, l'y impliqué sous 76 goals dans la sélection belge, 27 goals. 49 passes décisives. Erling Haaland avec Norvège, il joue 32 matchs, il marque 30 goals et livré 3 passes décisives. Ademola Lookman, 26 l'année, il joue avec Atalanta saison ça, il marque 17 goals et puis livré 9 passes décisives. Brahim Diaz pour saison 2023-2024 là, 46 matchs joués, 12 goals marqués. Les livrés 9 passes décisives, les rivés champion Ligue des Champions, Liga Santander, Super Coupe d'Espagne, les finissent soit homme du match, c'est quand même bien intéressant pour Brahim Diaz. Merci avec vous-même qui était accroché avec moi les petits coulin. Merci pour ce que vous partagez, ou like ou commentez, leur fait ça, vous encouragez nous pour être capable de continuer à porter pour bon genre information sportive. Rendez-vous à Sports Central pour demain. Merci tout le monde. Merci parce que vous like, commentez, partagez. Merci à vous-même qui pourra tout profiter, abonner, activer la cloche de notification.